Les commissaires aux comptes craignent énormément sur ce projet. On parle des seuils depuis bientôt un mois. La compagnie nationale et la compagnie régionale on est tous mobilisés contre effectivement ce projet de loi PACTE qui évoque le rehaussement des seuils d'obligation de commissaire aux comptes dans les entreprises. Écoutez, à La Réunion, les conséquences, on n'a pas encore tout mesuré, mais clairement, c'est un tiers des commissaires aux comptes qui pourrait demain disparaître. C'est environ 100 collaborateurs qui effectivement pourraient sortir de nos effectifs, mais bien au-delà, c'est la filière d'excellence, de formation au travers des masters CCA, au travers de la filière d'expertise comptable qui est peut-être amené à disparaître. C'est environ 100-150 étudiants chaque année qui rejoignent nos cabinets. Nous les formons et pendant quelques années, soit ils deviennent experts comptables, commissaires aux comptes, mais souvent ils rebondissent dans les entreprises de l'économie réunionnaise. Donc c'est toute cette filière d'excellence à bac plus 5, bac plus 8 qui risque de disparaître, qu'on a mis, nous, au niveau d'instances, organisations professionnelles de La Réunion, qu'on a mis 30 ans à bâtir.